sketch, mais... Come on, Minnie, take him up. Allez, allez, allez. Oh, oh, shit, oh, shit. Oh, good job. No way. Oh Bon, ben, c'est la première journée de notre merveilleux voyage. Première nuit ensemble. Donc, c'est notre belle petite tente. On essaie de faire une vision nocturne improvisée. Non, mais ça, il faudrait vraiment la tienne pour vrai. Je pense que ta lumière, elle torche vraiment. Là. Avec ma grosse blanche? Ouais. Attends, ouais. Oh, ouais. Ok, celui-là, ça fonctionne. Mais là, tu m'envoies pas cette lumière-là dans la face. Non, non, non. Je vais la faire. Ah, check, comme ça. Okay. Check. Tabarouais. Chris, on se dirait. Hein. Okay. Fait que, première impression, on est parti à 3h. Après-midi, on a fait. On a fini à 6h30. On a quand même fait 40 km. C'est plat, on n'a pas eu trop de vent. Première journée est pas mal le fun. C'est pas mal cool. Donc, nous sommes à la frontière américaine. Welcome to USA! Donc, on vient juste de le passer, juste là. Donc, c'est notre première frontière avant
un bon bout. Donc, comment tu te sens, Amélie? Soulagé à l'aventure. À l'anglais. Bon, ben. Nous sommes présentement à Portland. Et voilà la mer. Donc, je viens tout juste d'arriver. J'ai eu des petits problèmes de chaîne il y a à peine 10 minutes. À peine 30 secondes en fait. Donc, voilà la mer. On va la suivre pendant un bon bout de temps. Au moins 2 mois. On est quelle date? On est le 10. Le 3. Ah, c'est dommage, un gros zoom. Donc aujourd'hui, 3 octobre, c'est une journée vraiment spéciale. On est à Wales, au Massachusetts. Donc vous voyez, c'est vraiment beau avec les feuilles colorées dans les arbres. Puis aujourd'hui, c'est spécial parce que si on regarde notre odomètre ici, on a fait 1000 km! Alright. Donc c'est ça, ce qu'on voulait, c'était d'arrêter puis à 1000 km puis d'aller demander à la maison la plus proche si on pouvait célébrer avec eux. Mais là, il n'y a pas de maison, donc on verra où est-ce qu'on va arrêter. Donc c'est ça. Alors, nous sommes à Philadelphie et on mange un délicieux steak and cheese, spécialité de la maison. Donc, c'est vraiment du steak avec du fromage. On a pas mal. C'est pas mal bon. Puis on est directement à centre-ville. Donc. Et on a du des frites avec du cheese whiz. Ok, comme. On pensait que c'était une spécialité. Puis. Finalement, c'est juste du fromage cheese whiz. On pensait que c'est. Mais c'est pas mal bon. C'est ça. Une gentille demoiselle qu'on appelle qui s'appelle Shelby, et elle nous a proposé de dormir chez elle et de faire un petit party sur la plage. Donc on s'en va vers chez elle et là on est en train de rouler sur le bord de la plage. C'est quand même très cool, c'est super beau, puis on va aller profiter de notre soirée. Home down there. 1, 2, 3, 4.
Ok, on est rendu maintenant en Floride! Wouh! Dernier état avant de notre trip à travers les États-Unis. Donc, on vient de se faire livrer par un gentil Allemand qui nous a gentiment demandé, fait un livre parce que le pont entre la Géorgie et la Floride, ben, sur la 17, était brisé, était en réparation. On n'a pas vu la pancarte comme on aurait voulu, mais moi, je parlais avec le monsieur que j'ai pas vu. Fait que, ben, ça sent la chance, Floride! Oh yeah! Oh yeah! Fait que, il nous reste à peu près 600 km à faire avant de se rendre en Europe. C'est ça. On est le 18 novembre 2013 et je vous parle en direct de Disneyland. Je suis en plein downtown Disneyland. On est arrivé hier à Kissimmee et nos hôtes nous ont proposé d'aller venir faire un tour à Walt Disney. Donc on est directement downtown, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment beau. Ils nous ont proposé, nos autres nous ont proposé le lunch, ils nous ont payé le lunch, on a eu une bonne nuit de sommeil, on en a profité, on a relaxé un peu, c'était notre day off aujourd'hui. On est à 300 km de Naples, donc on est pratiquement à côté, encore quelques jours de la fin de notre trip aux États-Unis. Et quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment cool. Demain, nos hôtes nous ont proposé d'aller voir un lancement d'une fusée à Cap Canaveral, donc qui est juste à une heure d'ici en voiture. Ils nous ont proposé d'aller voir ça. Donc, et là, présentement, Mel est en train d'attendre. On va avoir un show direct dans le centre-ville, direct sur la fin qu'on voit ici. Donc, on va avoir un show. Donc on va aller voir ça, puis demain on va aller voir là. Look at that. Oh. Voilà donc arrivé à Naples, donc après 4099 km, donc on est arrivé à 3h-10, un jeudi, donc le 21, ça nous a pris 65 jours arriver ici, donc on va passer une semaine, une couple de jours ici, à l'accès. Et on va aller se baigner! Wouh! Après 2 mois et demi partis, on va aller se baigner un peu.